Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui un KVK de ouf avec le 2110, avec le 1960 du très lourd dans lequel je suis tombé. Le comeback de Minamoto, Monemoto fait-il son grand retour avec les artefacts? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Ça fait plaisir, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous cliquez dessus et c'est réglé. Les amis, commençons tout de suite. Regardons s'il y a eu le pop de nouveaux events. Alors, on n'a pas sur mon serveur encore les bateaux, les batailles navales qu'on a vues hier. On devrait l'avoir, je pense, demain. Je l'ai vu sur d'autres serveurs. Je vous le représenterai lorsqu'il aura pop sur mon serveur. Mais on a la roue de la chance. La roue de la chance avec Sheok, j'allais dire Sheok, Sheok, Harald, Guan Yu et Alexandre Legrand. Évidemment, je vous conseille en priorité Guan ou Alexandre. Et si vous les avez déjà, je vous conseille d'aller sur Harald. Sheok, pour, de mon point de vue, il est en carton de ouf. Donc, c'est pour ça que moi, je sélectionne mon ami Harald. Je lance la roue. Est-ce que je vais avoir un truc en carton? Normalement, oh, je vais avoir une sculpture. Donc, je ne me plains pas. Je vous le rappelle, la roue de la chance, il faut aller jusqu'à 10 tours. Si vous le pouvez, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Donc, on a 2 jours, 17 heures, 22 minutes et encore, oh, c'est passé devant. Et encore 35 secondes, 34 secondes. À présent, donc réellement, si vous le pouvez, allez jusqu'à 10 tours. La crise de Ceroli avec le retour du nouveau boss, hein, qui est très sympa. D'écart, hein. Évidemment, ils en laissent que 5. Hein. Ils en retirent un quand ils mettent d'écart à la place. Ça tourne, je pense. J'ai pas fait attention la dernière fois de voir lequel c'était. Et sinon, pas grand-chose à part l'épreuve de Loire, sauf si votre KVK a commencé comme sur mon royaume. Et regardez. Ce KVK de ouf, déjà les scores sont énormissimes. Vous le voyez, le niveau 1 vient à peine de commencer. On est à 1 jour, 17h, 22 minutes et 55 secondes, 54 secondes à présent. Donc ça a commencé il y a moins de 7h, il y a 6h38. Et regardez le classement individuel, le Royaume 2110 est oufissime. Ils ont plus de 2 fois le score du 1960, bientôt 3 fois le score du 1960, c'est énorme, ils nous éclatent, ils ont plus de 4 fois notre score. Autant nous, les scores sont classiques, hein, autant ceux du 2110, c'est des scores de ouf. Et donc oui, je suis sur le KVK avec le 2110, le pré-KVK vient de commencer, regardez cette map, hop là, le 2110 et donc le Royaume Feu en haut à droite. Le 1960 en haut à gauche, pardon. Le 1960 en haut à droite, nous en bas à droite. Et le 1947 en bas à gauche. La rumeur dit pour le moment que ce serait un 3 contre 1. Le 1960 ne voulant d'alliance avec personne et être tout seul contre tout le monde. Je vous montrerai le score et les puissances demain ou après-demain dans une prochaine vidéo. Mais vous allez voir si c'est le cas, si on est en 1 versus 3. Je pense, et je me trompe peut-être, que le 1960 va se faire défoncer. Après, le 1960 est très puissant. Mais là, pour le coup, le 2110, ça rigole pas. Et le 1947 non plus, et nous non plus. Donc du coup, je pense que ça serait tendu. C'est sûr que le 1960 est très puissant. Et en 1v1, ils ont toutes leurs chances, bien évidemment. Mais là, en 1v3, ça va être très, très tendu pour eux. Regardez les puissances, encore une fois. Kevin Vesviper nous a fait le classement de toutes les alliances, je vous montrerai ça, les amis, durant l'avancée de mon KVK et de ce pré-KVK. On verra bien les scores. Aujourd'hui, on est limité, hein, bien évidemment, sur le pré-KVK, comme pour tous les pré-KVK, puisque ce n'est pas le moment de tout claquer. Les amis, passons au musée et aux artefacts, et vous allez voir que ça change la donne grave. Et je vous parlais du comeback de Minamoto. Je vous ai récupéré plusieurs screens, les amis. Et vous allez voir, ils font plaisir ces screens de voir enfin Minamoto qui vaut quelque chose en open field. Alors on va commencer avec le premier screen. Regardez, c'est vraiment un combat classique en open field. Minamoto avec KOKO face à Guan Leonidas. Alors sur le papier et sans les artefacts, Minamoto bien évidemment se fait éclater la bouche très proprement.
Merci à Sancho Sancho d'ailleurs d'avoir partagé ses screens donc sur le Discord. Si vous regardez bien, là on est à un test de 50 000 unités des deux côtés. Je vais vous montrer après le détail des buffs. 50 000 unités des deux côtés. On a un reliquat de troupes d'un côté qui est de 0 et de l'autre de 16 000. Ça veut dire 32% de troupes restantes, presque 34% de troupes restantes du côté de Minamoto Cao Cao. C'est énorme, sachant que sur le papier, encore une fois, Guan Leo déboîte Minamoto Cao Cao. Minamoto Cao Cao, c'est en carton normalement. Et bien là, et ben non, c'est Minamoto qui gagne. Et regardez l'écart des buffs et les artefacts. Donc il y a l'artefact de Cao Cao et de Minamoto. Je vous invite à retourner voir les bonus si vous avez raté la vidéo d'hier, je les détaillais. Et donc, regardez, quand on compare, hein, c'est sûr, en infanterie, il se fait plier, 96, 75, 69 contre 124, 125, 94, mais regardez, cavalerie attaque, plus 204%, cavalerie défense, plus 139%, quand l'infanterie n'a que 125, et en attaque, ils n'ont que 124, cavalerie santé, plus 134, c'est là que la différence, elle est énormissime, pas du double, mais une fois et demie pratiquement, plus que la santé de l'infanterie. Bon, les archers, on s'en moque, et pour l'instant, on s'en moque, mais l'écart est flagrant. Du coup, eh bien, Guan Leo se fait plier la bouche par Minakao. Et vous le voyez, on a relique, donc on a bien les deux artefacts qui sont rajoutés. On voit bien que ça fait plaisir et ça fait bien, bien mal de voir Guan se faire défoncer comme ça par Minamoto. Alors, il y a plusieurs tests qui ont été faits. Je vais tous vous les montrer au fur et à mesure. Regardez le suivant, on est de nouveau sur Kaomina, le test a été fait en double pour le coup, voir si c'était pas une erreur de la chance ou quoi que ce soit, et là ça passe, mais un petit peu plus juste. Le principal est que ça passe, il reste que 5% de troupes à Mina Kao, mais c'est passé quand même, hein, et c'est ça qui compte, hein, c'est le fait que ça passe, faut le savoir, ça dépend des procs et de la rage, ça joue quand même bien évidemment. Regardez le détail des buffs, on est toujours sur les deux reliques, on est toujours sur la même chose. Évidemment, du côté de Guan Leo, il n'y a pas de reliques mis sur eux. Pour le coup, je ne sais même pas si elles sont déjà sorties, je ne crois pas qu'elles soient sorties, c'est pour ça en plus, donc il n'y a pas de possibilité de comparer. Continuons avec les binômes et regardez cette fois une petite différence. On a pris le roi de l'open field et des rallyes, à savoir Xiang Yu, le roi du chocolat, face avec Minamoto et toujours face à Guan Leonidas. Alors là, pour le coup, on n'aura qu'une relique, celle de Minamoto. Et vous allez le voir, hein, déjà, on est à 13 000 de troupes restantes. Donc, c'est moins que le premier try avec Mina Kao. 13 000, ça fait 27%, 13 700, autant dire 27% de troupes restantes. Guan se fait bien péter la bouche. Hein. Et regardez donc au niveau des buffs, c'est moins impressionnant qu'avec KO. On a plus 221% cavalerie attaque, plus 133% cavalerie défense et plus 113,5% en santé de cavalerie. Et ça passe, on n'a plus qu'une seule relique, hein, évidemment. Celle de Minamoto à présent, elles font plaisir hein, quand même hein, ces petites reliques. Mais vous le voyez donc, Minamoto redevient un bon binôme. Alors pendant de nombreuses vidéos, je vous ai dit, il ne servait plus à rien, ni en, sauf au KVK 1 et 2, mais après il n'était plus du tout utilisé. Et bien là, pour le coup, vous allez pouvoir le ressortir et vous allez même pouvoir ressortir votre Cao Cao. Donc ça fait plaisir. Continuons les comparatifs puisqu'il y a encore deux autres rapports complets avec le détail que je souhaite vous montrer. On a à présent Xiang Yu avec Cao Cao. Évidemment, on a testé avec Mina, pourquoi pas tester avec Cao, sachant qu'un très grand nombre de joueurs ont Cao Cao maintenant expertisé. Vu l'ancienneté de ce cavalier, c'est l'un des premiers. Moi, c'est le premier légendaire que j'ai expertisé d'ailleurs, je crois. Ouais, après Minamoto, qui était en coffre, le premier légendaire non coffre que j'ai expertisé, c'était Cao Cao. Et donc, on regarde là, il reste 22% de troupes. Je vous donne le pourcentage parce que ça donne un comparatif fiable. 22% de troupes restantes du côté de Cao. Donc, c'est un petit peu moins que le binôme Xian Yu Minamoto. Mais encore une fois, il y a eu 4 rails de fait. Et ce n'est pas face au même binôme en face. C'est plus Guan Leonidas, c'est Guan Sheok pour le coup. Et donc, Guan Sheok, ce n'est pas un très bon binôme de mon point de vue. Mais il devrait normalement gagner face à Xian Yu. Ce serait la théorie et ce serait la logique. Donc, comparons le détail. Regardons
le détail des buffs qui sont donnés. Hein. Cavalerie attaque, on est seulement à 190%, 190,5. Cavalerie défense, on tombe à 103. Et cavalerie health, la santé de la cavalerie, on est à 133. Et si vous regardez de l'autre côté, si on compare à infanterie, attaque, défense et santé, eh bien, en termes d'attaque, l'infanterie de l'autre côté est égale à 0,5 près, donc c'est équivalent. En termes de défense, la défense de l'infanterie est nettement supérieure, mais en termes de santé, ils se font éclater presque le double. Et je vous l'ai dit, hein, la santé est totalement différente. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite coquille. Le rapport que je vous montre là, ce n'est pas celui que je vous ai montré avec Xanyu, c'est celui avec Genghis Khan, une coquille dans les rapports que j'ai récupéré. Heureusement que je le vois. Regardez, ce n'est pas le même binôme. C'est Genghis Khan Cao Cao face à Sheok et Guan. Évidemment, c'est Genghis Khan Cao Cao qui a gagné. Mais regardez donc, là, on a un écart sur la santé. Je n'ai pas le rapport détaillé donc de Cao avec le roi du chocolat. Mais on le voit en tout cas, c'est quand même le retour des anciens commandants avec ces nouvelles reliques. On continue avec le dernier rapport et donc son détail. Minamoto William Ier. Alors là, c'est quand même un binôme très très atypique. Moi, jamais de la vie, j'aurais mis un Minamoto avec un Guillaume Ier. Mais si vous l'avez, ouais, William sur la version française, c'est Guillaume. Si vous l'avez, pourquoi pas? Il reste 18%, il reste 36% de troupes. Donc, c'est l'un des plus élevés en reliquat, en restant de troupes qu'on voit. Minamoto, William Ier. William Ier, c'est un très bon commandant secondaire. On le voit, il est passé là avec Guan et Sheok en face de lui. Et Guan Sheok se fait tout simplement détruire une nouvelle fois. Regardons le détail des buffs pour pouvoir comparer. Et cette fois, il est bon. On est sur Mina William. Hein. Et donc, vous le voyez, en plus, hein, ils ne l'ont même pas monté. Ils ne l'ont même pas expertisé. William n'a même pas son expertise. Ça, c'est ouf. De l'autre côté, on a les deux commandants expertisés, mais là, il n'est pas. Et malgré tout, c'est avec William Ier, Minamoto William Ier, qui gagne. D'ailleurs, je vous referai une vidéo avec les pairings et les minimums à utiliser pour chaque commandant. Le niveau 5XXX à partir duquel on peut utiliser 5 commandants, très probablement dans la semaine ou plus tard la semaine prochaine. Avec la mise à jour des nouveaux commandants, enfin pas les deux derniers qui ne sont pas encore testés bien évidemment. Regardez là, l'infanterie attaque, défense et health, on est du côté de Guan, Sheok, 190, 147,5 et 73. Cavalerie attaque, regardez ça, 202%. Donc ils éclatent l'infanterie attaque, la cavalerie défense, 132,5, ils se font défoncer là puisqu'il y a 10%, 15% de plus du côté de Guan. Et le plus important, la santé, comme de l'autre côté, ils sont qu'à plus 73, là, ils sont à plus 114. Et encore une fois, ça fait la différence. Donc, on le voit, ces reliques vont clairement être un game changer. Ça va tout changer sur la suite des anciens commandants. C'est une excellente idée. Encore une fois, si c'est amené via des packs, puisque ça, on ne le sait pas encore pour le moment, si pour bien expertiser, bien avoir les reliques plutôt, il faut acheter des packs, ça sera clairement abusé parce qu'on va se faire péter la bouche par des anciens commandants. Mais c'est une très bonne chose qu'a fait Lilith. Ça permet, alors eux, ils y ont un intérêt, bien évidemment, je vais vous le dire tout de suite. Leur intérêt pour eux, c'est que les joueurs qui bypassent, qui ne montent pas les anciens commandants, parce que par exemple, si vous avez le choix entre monter un Cao ou un Xianyu quand vous êtes sur un ancien serveur, évidemment, ou un Saladin, vous allez monter un Xianyu. Mais là, du coup, avec les reliques, eh bien, les anciens commandants, si vous les avez montés ou si vous les hésitez à les monter, ils vont devenir utiles. L'intérêt d'Elite, c'est que vous montiez tous les commandants et donc vous claquiez plus dans le jeu, soit de thunes, soit de gemmes, mais au final, c'est toujours votre thune que vous claquez. Eh bien, plus vous en montez, plus ça leur rapporte. Mais bon, d'un autre côté, nous, on y a aussi un avantage. Ils redonnent vie aux anciens commandants et c'est ça qui est vraiment très intéressant, les amis. Donc, les reliques à suivre. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais en monter un max. On le sera à présent dans 6 jours, puisque mon KVK commence dans 6 jours. Et donc, dans 6 jours, j'ai accès au musée. Les amis, finissons en nous penchant sur les KVK, puisque je vous ai montré mon KVK à pop, mais ce n'est pas le seul. Regardez dans toute la liste,
Il y en a certains qui sont oufissimes. Regardez le premier de la liste, le C1300. Regardez le nombre de royaumes qui a été mis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 royaumes sur ce premier KVK. C'est oufissime. Alors évidemment, il n'y a pas d'impérium. Le second, pareil, on se retrouve avec une vingtaine de royaumes. Le troisième avec le 1411 qui n'est plus impérium. On a beaucoup moins. Pour le moment, toujours aucun KVK avec des impériums, sauf le mien pour le moment. Peut-être qu'on est les seuls à s'être enregistrés en Heroic Anthem. Je fais le tour complet. Ceux-là ont déjà commencé. Donc non, dans les Heroic Anthem qui viennent de Pop, seul le mien a deux impériums. Et quel impérium, bien évidemment. Le 2110 et le 1960, on a bien fait de ne pas être impérium. Sinon, on aurait bien mangé nos dents. Et dans les luttes des 8, alors j'essaye de refermer tout. Regardons dans les luttes des 8 qui ont Pop. Bon, un petit peu plus de royaumes, sauf que les premiers, plus que 4 en tout cas. Pas d'impérium non plus, seulement le 11-22, mais il a déjà commencé. Donc c'est étonnant, il semblerait donc que beaucoup de gros royaumes aient fait l'impasse sur cette saison d'inscription. C'est pour ça que nous, on se retrouve avec des méga royaumes. Alors malheureusement, on ne pourra pas suivre dès le début ce méga KVK, puisqu'on va avoir la bohème. En tout cas, le mien, vous allez pouvoir le suivre. Je vais vous faire de l'intérieur. On s'interrogeait hier avec Kevin pour vous faire des lives durant le KVK, ce que je fais très peu parce que ça divulgue les balises. Mais on va trouver un moyen de le faire, d'en faire quelques-uns, sans mettre en péril mon KVK et la stratégie de mon royaume. On va finir les amis avec un nouveau skin que je ne vous ai pas montré et qui est disponible et que je trouve pas mal du tout esthétiquement. L'harmonie parfaite. Alors je ne sais plus comment on l'obtient, je pense, il me semble, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que c'est le skin qu'on va obtenir durant, alors il le dit, est-ce qu'il le dit, tous les objets, non il ne le dit pas, certains événements, si je ne dis pas de bêtises, c'est le skin qu'on va obtenir durant les événements de printemps, puisque pour Lilith, c'est déjà le printemps, et ce skin, infanterie plus 5%, archer, défense des archers moins 5%, donc défense d'infanterie plus 5%, c'est un très bon skin. Alors évidemment, ça ne vaut pas la santé plus 5, mais c'est pas mal du tout comme effet. Si vous cherchez un bon skin de défense quand vous avez par exemple Zenobia ou un autre binôme en défense, si vous avez Martel en défense par exemple, ça peut être intéressant d'investir pour essayer d'avoir ce skin. Alors oui, c'est pas le meilleur skin pour la défense, mais il est pas mal du tout. En plus, regardez, il est très esthétique. Et normalement, si Lilith abuse pas, mais je crois qu'ils vont abuser, hein, on va être dans un event où ça va être un store avec les transcultures à aller chercher. Si on se débrouille bien, on doit pouvoir faire quelques choix. Si vous avez suffisamment de sculptures en or, vous pouvez peut-être faire l'impasse sur 2-3 sculptures que vous auriez pu obtenir dans ce store et prendre ce skin. Moi, je le trouve très bien. Évidemment, je vais le débloquer. Si vous avez bien évidemment des skins de 7 jours, ne les claquez pas tant que vous n'avez pas le permanent. Et une fois que vous avez le permanent, claquez vos skins de 7 jours. Ça vous permettra de récupérer, je crois, c'est 50 gemmes à chaque fois qu'on ouvre un skin qu'on a en 7 jours ou 3 jours et qu'on a déjà le skin permanent. Je crois que c'est ça. Il nous donne 50 gemmes ou 100 gemmes. Je crois que 100 gemmes, j'ai rêvé de ouf parce que les gemmes, c'est la vie. En tout cas, très sympa. Et il y a une plaque de nom, il me semble aussi, qui est associée. Ce skin-là, n'hésitez pas à aller chercher. Est-ce qu'il évoque le printemps? Bon, peut-être le printemps pour nos amis Lilith de Chine, mais pas pour moi. D'ailleurs, on n'est toujours pas au printemps. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Rappelez-vous ce comeback de dingue de Minamoto. Si j'ai d'autres rapports, j'hésiterai pas à vous les partager, bien évidemment, les amis. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Aucune excuse, les amis. Aidez-nous à éclater le plafond des 10 000 abonnés en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock.